c'est le bon côté de l'histoire. La Chine souhaite partir de ce document et travailler avec le reste du monde pour contribuer au règlement politique de la crise. La Chine, faiseur de paix, le chef de l'OTAN se montre sceptique. China, la Chine n'a pas beaucoup de crédibilité parce qu'elle n'a pas été en mesure de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Et elle a aussi signé quelques jours avant l'invasion un partenariat illimité avec la Russie. Pékin tente de prendre la main alors que les États-Unis l'accusent d'être sur le point de livrer des armes à la Russie, des drones plus précisément. La Chine nie fermement ces allégations. Depuis un an, elle manie l'art de ni condamner ni reconnaître l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Suffisamment proche du Kremlin pour avoir des accords énergétiques et financiers, suffisamment distante pour éviter de subir des sanctions occidentales. Mais selon les spécialistes, elle a toujours en tête un objectif idéologique. On n'est pas tant contre l'Ukraine, ni même pour la Russie, elle est avant contre les États-Unis, et c'est comme ça qu'on peut interpréter le positionnement de la Chine. Moscou déclare apprécier les efforts de la Chine. Volodymyr Zelensky, lui, dit avoir l'intention de rencontrer Xi Jinping et demande à la Chine de tout faire pour que la Russie quitte le territoire ukrainien. Dans le reste de l'actualité, le seuil des 50 000 morts dépassé en Turquie et en Syrie après le séisme du 6 février. Les autorités turques ont annoncé le décès de plus de 44 000 personnes sur leur territoire. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a rasé plusieurs villes dans les deux pays. Alice Broguin. L'attente interminable. C'est désormais le quotidien de ces habitants d'Afa, dans le sud de la Turquie. Sans abri depuis le séisme, ils espèrent obtenir de quoi survivre dans celui-ci où est désormais distribuée l'aide humanitaire. J'ai 8 enfants. Nous vivons dans une tente. Il y a de l'eau sur le dessus de la tente et le sol est humide. Nous demandons d'autres tentes, mais ils ne nous en donnent pas. Ici, l'aide est insuffisante, comme en témoigne cette bénévole. Nous manquons de tentes, comme partout. C'est le plus gros problème que nous ayons. Le jour